présente, je suis Jean Bayakoué, président de la communauté subsaharienne de Namesna, qui est une association du Rabat. Je suis ici en tant qu'acteur associatif et représentant de la communauté camerounaise. Alors, quelles sont vos impressions sur cet événement et ce qu'on peut améliorer davantage? Et c'est-à-dire, pour parler de ces événements au Cameroun, comment sont-ils? Je pense que des deux côtés, il y a des choses à échanger, à partager tout ensemble. Ici, je pense qu'il va déjà pérenniser le projet. Essayer de mieux équiper les participants au projet pour qu'ils soient mieux, qu'ils présentent mieux l'événement, pour qu'ils soient mieux compétitifs. Et c'est aussi structuré, si possible, à travers des compétitions, des mini-compétitions dans pour les villages alentours. Enfin, que chaque année, pendant l'événement, que ceux-ci viennent juste défendre un titre. Est-ce qu'on peut collaborer avec les organisateurs pour votre participation pour les prochaines des événements? Vous parlez des organisateurs du Cameroun? Oui. Oui, c'est possible. Pour participer à la compétition. D'entrer en contact avec plus qu'au côté du Cameroun, ils sont un peu mieux structurés en championnat. Ils auront carrément un championnat, un mini-championnat pour les caisses traditionnelles, bien sûr. Nous n'avons pas encore le niveau européen ou des autres pays. Nous sommes encore au niveau traditionnel, mais sauf que c'est bien structuré. Et nous participons à certaines compétitions au Sénégal, au Burkina, au Nigeria et bien d'autres pays.